Hey, salut tout le monde les amis, c'est Famdi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super aujourd'hui les amis. On se retrouve pour l'étape numéro 17 de ce Tour de France 2020 avec la Astana. Aujourd'hui les amis, c'est l'étape reine de ce Tour de France avec le col de la Loz bien évidemment, et le col de Madeleine, le col de la Madeleine aussi au programme aujourd'hui. Une étape entre Grenoble et Méribel, ça va être une étape complètement folle. Étape assez courte, 170 km, mais avec le col de la Madeleine et le col de la Loz, les cols pratiquement les plus durs de ce Tour de France cette année. Et vraiment là, ça ne va pas déconner. S'il faut reprendre du temps pour le général, ce sera aujourd'hui avec Miguel Angel Lopez. Après, il restera à la Rochefort et ce sera terminé. Après, il y aura aussi le chrono à la planche. Mais voilà, en tout cas, les amis, voilà, gros col de la Méribel. On a aussi le col de la Madeleine également. Hein. On pourrait. Ouais, après, c'est. Si les cols seront un peu plus rapprochants, on pourrait tenter dans la Madeleine. Mais bon. Je préfère garder des forces et aller remporter l'étape au sommet à Méribel. Et voilà, comme ça. On récupère devant l'échappée composée de 11 coureurs entre Romain Bardet, Nance Peters, Bob Hugues, Inon Zakarin. Daniel Navarro, Dani Navarro, Wilco Kelderman, Bentancourt et Bob Jungels. Derrière, il y en a des autres comme Dan Martin, Tony Galopin, Cyril Barthes et Michael Nieve. C'est vrai qu'il y a 3 G2R dans l'échappée quand même. Hein. 3. Ça risque d'être chaud, 3 G2R. Et nous, avec Lopez, on est bien placé. Là, c'est la Cofidis qui s'énerve là, en tête de peloton. Sans doute parce que ils n'ont personne à l'avant. Naël Béran là qui roule. Donc voilà, en tout cas voilà les amis, le tour approche à sa fin. On a commencé la troisième semaine de ce Tour de France. C'est vrai que on est à la 17ème étape et ça va très vite quand même, hein. J'ai l'impression d'être encore le 27 juin. Et voilà, en tout cas merci hein, de votre accueil sur ce grand tour. Ça m'aura fait super plaisir de faire deux grands tours. Pour l'instant c'est mon deuxième, j'avais fait le Giro là, je fais le tour et vous avez été toujours là, donc merci à tous. Et ouais, en espérant que pour la Volta ce sera un peu plus difficile, mais on pourrait toujours essayer. Niveau temps, ça va être un peu dur, mais bon, après c'est pas plus pas très grave, ce n'est pas très grave. Après, pour les grands tours irréels en intégralité, je les ferai pas, hein. Je ferai que cela parce que certainement j'aurai pas le temps pour faire le tour du 27 août au 20 septembre, ça sera impossible pour moi en tout cas. Donc voilà, je vous invite à regarder les autres grands tours sur les chaînes qui font les grands tours, parce que moi je ne pourrais pas le faire. En tout cas là, la question n'est pas le sujet. On attaque le fameux col de la Madeleine avec Miguel Angel Lopez. Également, c'est la Ineos qui roule avec Ben Swift, le champion d'Angleterre là qui roule là. On a également Gianni Moscon qui roule également avec Ben Swift. Et là, attention à ne pas se faire piéger avec Miguel Angel Lopez. Également, on est où nous avec Lopez? Ça, on a en queue de peloton pour l'instant, on est bien. Après, il pourra avoir des attaques. Hein. Déjà, le maillot vert est déjà distancé. Attention, le maillot vert qui cale déjà. Caleb Ewan qui cale là. Celui qui a tant gardé son maillot vert qui ne peut pas tenir la pression de Gianni Moscon et Ben Swift. Nous pour l'instant on est en queue de peloton, hein. On récupère. Je vais essayer de moi possible utiliser de l'énergie. Allez là, Lopez qui est là. C'est que là derrière ça cale, hein. Il y a beaucoup de lâches. On est plus que 86 unités dans ce peloton. On a Guillaume Calmejean qui cale un peu. Ouais, là c'est le maillot jaune également très bien placé, hein. Très très bien placé le maillot jaune. J'ai l'impression qu'Egan Bernal veut faire une attaque là. J'ai l'impression que Egan Bernal veut faire une attaque. Il est très bien placé là avec ses coureurs qui roulent. Nous on est à côté de Maximilian Tchermann, le champion allemand. On a également Knox. Putain, je pensais que c'était Julien Alaphilippe qui craquait. Mais du coup non. Là ça roule très très fort, hein. Je vais pas pouvoir tenir 10 km hein, comme ça. Hein. Ouais. Allez là. On est en plein dans le col de la Madeleine, c'est bon. Les Ineos se sont arrêtés de rouler.
Et nous, on va essayer d'aller récupérer avec Lopez là. Plus que 5 km. Oh là, attendez, hop. Voilà. Allez là. On va bientôt arriver sur le sommet de ce col de la Madeleine. Hop. Hop là, voilà. On arrive au sommet de l'école de la Madeleine. On a quand même fait une belle montée, hein. On a fait une belle montée. Là, il y a qui est devant? Là, il y a Tony Galopin, Dani Navarro et Carlos Bentancourt qui sont lâchés de l'échappée. Et voilà, on attaque la descente. Attention à ne pas chuter, bien évidemment, avec Lopez. On sait que Lopez est un très bon descendeur, tout comme Jakob Fuglsang. Mais attention de ne pas chuter comme José Herrada là, et Jesús Herrada. Et ouais, on n'est plus que 65 unités dans le peloton. Et là, ça roule du feu de Dieu, tellement ça roule fort là. On attaque bientôt le col de la Loz. Très difficile le col de la Loz quand même, hein. Très long, très irrégulier, avec des passages à plus de 10%. Ça va être passage à plus de 20%. Ah ouais, quand même, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Mais bon, on va tenter d'aller récupérer notre maillot jaune avec Miguel Andrade Lopez. Là, ça roule très très fort avec. C'est qui? C'est Félix Groschartner? Non, c'est Elie Gébert qui roule là. En personne, Elie Gébert qui veut rouler pour son leader Nairo Quintana. On a également. Attends, c'est qui le jumbo là? C'est qui le jumbo? Ça, c'est Vingegaard. Il y a toutes les équipes des leaders qui veulent rouler là. Ah bah, Elie Gébert ne peut plus rouler malheureusement. On a. Ah, c'est bon, on est remonté le peloton avec Miguel Andrade Lopez là. C'est parti pour ce col de la Loz, le col le plus dur de cette journée. Là, c'est Lainez qui met en route là avec Sivakov, Thomas et Froome pour leur leader. Egan Bernal, le maillot blanc qui est à pas plus de 3 minutes du maillot jaune. On peut aller chercher le podium nous avec Lopez, on peut aller chercher. Donc ouais, allez, on va tout tenter. Et là, on va se mettre quand même un peu en x8. En attendant que ça roule. Hop. Parce que c'est quand même long le col de la Loz. Hein. C'est quand même très long. On va se mettre en 72 là. Ça me paraît pas mal, 72. Et on va se retrouver aux 10 derniers kilomètres de cette étape. Et ça attaque. Ça attaque avec Nairo Quintana qui est sorti là. Attention. Le 11e général, à son habitude, qui sort de loin. Le petit Colombien qui est sorti là. Et plus personne ne veut prendre la roue. Hein. Plus personne ne veut rouler. Derrière. Et ça rattaque. Ça rattaque avec Julien Lafilippe qui y va. On a également Emmanuel Bourman. Là, c'est une attaque de gros favoris qui attaque là. Après, ils sont loin en général. Le plus vieux, c'est Julien Lafilippe à 6 minutes. Ouais, après, là, je vais pas rouler. Moi, c'est pas à moi trop de rouler. On va demander à Lutsenko d'aller chercher les bidons. Parce que là, Lopez a soif. Et là, c'est qui roule là? C'est Bilbao. Non, c'était Damiano Caruso qui roulait. Et là, plus personne ne veut prendre en main le peloton. Hein. Si, Primoz Roglic. Allez, Primoz Roglic qui met en route là. Et j'ai oublié, on a un plus 1 avec Lopez. Hein. C'est quand même pas mal. On a également le dernier équipier. Attention. Hein. Et ouais, Thibaut Pinot n'a plus d'équipier maintenant. Hein. Thibaut Pinot n'a plus d'équipier là. Avec la FDJ. Et c'est David Gaudu n'est plus là. Également malheureusement. Et là ça attaque. Mikel Landa attaque avec Egan Bernal. Suivi du maillot jaune. Alors là faut suivre. Bien évidemment qu'il faut suivre là avec Lopez. C'est le maillot jaune en personne qui a attaqué. Donc voilà, on y va nous. Si c'est le maillot jaune qui attaque en personne. En plus, Jakob Fuglsang a eu le temps de nous donner. Enfin non, Alicia Lutsenko a eu le temps de nous donner les bidons. Avant qu'on attaque. Bien beau move. Et là faut rouler hein, sur Nairo Quintana déjà qui dandine les épaules là. Attention. Et ouais, le Colombien qui dandine les épaules, qui attaquait de loin là. Attention à ne pas se faire avoir. Le coureur de l'Arkéa. Également Primoz Roglic, pas bien. Geraint Thomas, pas bien. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien. Allez là, avec Lopez. On en met une avec Lopez et ça nous suit. Attaque de Miguel Andrade Lopez. Lopez qui y va. Egan Bernal le suit. Bon, ça sert à rien de rouler là. Et Thibaut Pinot qui contre. Thibaut Pinot qui contre là. Et ouais. Thibaut Pinot qui contre avec son maillot jaune là. Thibaut Pinot qui y va. J'ai l'impression qu'il était pas très bien Thibaut. Hein. Il a l'air de dandiner les épaules Thibaut, j'ai vu. Tout comme Mikel Landa, on n'est plus que 4 au final de ce col. Attention, Nairo Quintana qui essaye de revenir. Mais là, on n'est plus que 5, 4, avant, si même 5 avant l'arrivée au sommet
de ce col de la Loze. Là, c'est Thibaut Pinot qui roule là, en personne, le franc-comtois, qui va peut-être aller remporter son premier maillot jaune cette année. Allez, nous on retente avec Lopez là. On retente, on y va avec Lopez, on essaye de faire mal. C'est parti, on est sorti à deux. On a l'air d'être sorti à deux avec Lopez. Non, il y a Thibaut Pinot derrière, regardez-moi ces pourcentages. Complètement énorme. On a également. Ah ouais, on est avec. Ouais, là par contre, on est tous en dandinant des épaules là. Faut qu'on rattrape Thibaut Pinot quand même. Hein. Faut qu'on rattrape Thibaut Pinot. C'est bon, on l'a rattrapé. Maintenant, on va se calmer. On va se calmer niveau tempo là. Parce que là, on est plus que 3 dans le peloton des favoris. Et ouais, ça aurait pu être le podium de ce tour. Et là, Egan Bernal a l'air de faire une grosse fringale. Attention là. Attention, Egan Bernal a l'air d'avoir fait une grosse fringale là. Thibaut Pinot également. Là, on est tous en fringale là avec tout le monde là. On va essayer de se calmer niveau roulé là. Oh là non. Moi, j'ai fait une grosse erreur. Je vais faire une grosse erreur, on va suivre le maillot jaune nous avec Miguel André Lopez. Simon Krojcevic qui a l'air d'arriver vite. Attention, ça va être le sprint final là. Entre les trois favoris en tête de la course. On a également Egan Bernal qui roule. Thibaut Pinot qui ne veut pas rouler. On a Miguel André Lopez qui est là. Là, ça a l'air d'être difficile pour les trois là. Il y a le diable qui est là également. Allez, nous on va essayer de lancer. Et non, on va faire une deuxième place derrière Thibaut Pinot avec Miguel André Lopez. Thibaut Pinot qui remporte une victoire à l'étape et qui se rapproche de son maillot jaune. Et nous, on va faire une belle deuxième place pour Miguel André Lopez. Egan Bernal fait 3. Regardez le diable en dessous. Je savais pas qu'il était là. Et Jakob Fuglsang va faire une neuvième place. Jakob Fuglsang va faire une neuvième place. Très bien joué. Pour la meilleure équipe, hein, c'est important. Dit combien la meilleure équipe nous on est troisième hein. Bon 11 minutes mais bon 11 minutes mais bon on est quand même sur le podium des meilleures équipes en tout cas voilà les amis c'est Thibaut Pinot qui remporte cette victoire l'étape au sommet de le col de la Loze qui a été très dur quand même ce col hein. Hein, qui a été très dur Nairo Quintana qui a attaqué beaucoup trop tôt et qui a cramé beaucoup trop tôt malheureusement le petit Colombien qui n'a perdu beaucoup de temps aujourd'hui encore une fois. Et du coup pour les podiums c'est Thibaut Pinot. On gagne du temps sur Egan Bernal encore. Donc ce qui nous fait remonter à la quatrième place du général à 1 minute d'Egan Bernal. On est plus cinquième, on rattrape quand même quelques temps. Mais Thibaut Pinot a l'air de remporter ce maillot jaune haut la main. Parce que là, il reste plus que la roche au fond. Et le chrono sur la planche qui est chez lui. Et là c'est Daniel Martin qui va aller prendre le maillot à poids. Miguel André Lopez n'est plus qu'à 1 point de Daniel Martin, c'est plutôt pas mal. On a également Caleb Ewan, lui, qui est maillot vert. Egan Bernal, maillot blanc. Et la Jumbo, meilleure équipe. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter si ça vous a plu. Les amis, on se retrouve demain pour la dernière étape dans les Alpes avec Méribel, La Rochefort. Et moi je vous dis, prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous, ça n'existe pas, mais bon, allez les amis, prenez soin de vous, et ciao ciao.